Azul Massa Tasselwait. Bonjour madame, bonjour mesdames et messieurs. Mon nom est Mina Abdaoui, je suis Amazigh du Maroc. Je tiens d'abord à remercier les mécanismes d'experts du peuple autochtone ainsi que le centre d'OSIP qui m'a soutenu. Madame, depuis 1912, les Amazigh du Maroc sont dépossédés de leurs terres, territoires et ressources naturelles. Et les lois 62-17, 63, 17, 64, 17, promulguées en 2019, ainsi que la 113-13, sont l'expression d'une politique de spoliation qui impacte durement les Amazigh et les appauvrit continuellement. Les textes de loi édités dans le journal officiel en date du 14 mars 2024, créant de nombreuses réserves naturelles, annoncent un déplacement massif forcé des populations et une altération des modes de vie ancestraux à des fins extractives dans des régions riches en minerais en infraction avec l'article 8 de la Convention sur la biodiversité. Autre problème majeur, la milkisation-privatisation, qui vise selon les termes de référence du projet MK Morocco, je cite, une dynamisation du marché foncier au profit des investisseurs nationaux et internationaux. Les recommandations. L'État doit abolir toutes les lois coloniales et d'inspiration coloniale menant à la spoliation des terres autochtones et s'inspirer du droit positif amazigh azerf. Restituer les terres collectives à leurs ayants droit et d'indemniser celles et ceux qui ont perdu leur territoire. Respecter de manière effective le consentement libre informé préalable des Amazigh en tant que citoyens à part entière ayant des droits sociaux, économiques et politiques selon des chartes, la Charte des droits de l'homme, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et d'autres pactes internationaux. Merci.